Vous écoutez Connect Sud, la radio by RTS. Connect Sud, un événement organisé par Sud de France Développement, engagé pour le développement économique de notre région. Il est 10h48, nous sommes toujours en direct de l'événement Connect Sud et nous faisons vivre cet événement économique avec nos invités. Laurent, nous recevons tout de suite Christian de Monterran de Do You Soft, entreprise du web. Oui, Christian de Montréno. Oui, Montréno, pardon. Donc effectivement, aujourd'hui j'ai pas de chance. Do You Soft, donc une agence web basée à Béziers depuis une vingtaine d'années, c'est ça? Tout à fait, 50 collaborateurs, nous travaillons avec des entreprises de type TPE, PME partout en France dans différents secteurs d'activité. Alors votre activité principale c'est le conseil? L'activité principale c'est l'accompagnement des entreprises autour du e-business, donc comment développer son chiffre d'affaires via le web, via les différents supports web, et nous accompagnons ces entreprises dans leur mise en œuvre de leur stratégie numérique. C'est pour ça qu'on va faire une conférence tout à l'heure sur la transition numérique pour les entreprises. Voilà, ça sera à 11h30. Alors, vous allez exposer des cas, vous allez faire part de votre expérience en la matière. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement? Oui, dans les conférences, nous essayons de donner des exemples de réalisation afin que le public puisse se projeter sur justement ce qu'il est possible de faire. Donc on a une dizaine de cas qu'on va aborder tout à l'heure. Là, on ne va pas aborder une dizaine de cas, mais on va parler d'un pure player, par exemple, qui s'est lancé en 2006, qui vend des produits de vêtements et d'accessoires pour femmes, qui s'appelle modatoi.com, qu'on accompagne depuis maintenant plus de 10 ans sur le web. Et on a su accompagner l'entreprise dans le développement de son activité avec parfois, pour certains jours, notamment pendant les périodes un petit peu fortes, des pics de commandes à 1500 commandes jour. Donc en effet, on a aussi dans les métiers une notion d'hébergement autour du business. Autre cas de figure, ça va être une entreprise comme République Technologies. Le nom n'est pas très connu. Par contre, si je parle de la marque OCB, tout le monde connaît. Donc OCB, c'est aujourd'hui un site de distribution des produits OCB exclusivement réservé aux buralistes. Donc un site dédié pour des revendeurs de leurs produits vendus directement des fabricants aux buralistes et ensuite aux consommateurs finaux, avec dans la mise en œuvre du projet l'ensemble de la problématique commerciale de l'entreprise, puisqu'il y a aussi des commerciaux terrain. Il y a de la vente par téléphone et il y a aussi de la vente web. Et il faut en effet synchroniser tous ces éléments-là pour donner des informations pertinentes en temps réel à l'ensemble des interlocuteurs de l'entreprise. Alors vous avez des situations qui sont très variées et vous avez un univers qui évolue en permanence. Alors en effet, l'univers évolue en permanence. Quand on a démarré fin des années 90, le web c'était 2-3 pages HTML. Aujourd'hui c'est des technologies CSS, JavaScript, Ajax, etc. de plus en plus complexes. Mais au-delà de la technologie qui se complexifie avec des acteurs de plus en plus importants comme Google, dont il faut connaître les tenants et les aboutissants, sinon c'est sans lui point de salut. Il faut aussi, il y a des environnements qui sont liés au juridique, notamment les mises à jour de taxes qui sont impactantes au niveau du web, hein. Donc l'écotaxe, l'extension de l'écotaxe, mais aussi l'environnement au niveau de la protection des consommateurs avec les évolutions au niveau de la CNIL, mais aussi au niveau des lois européennes qui sont transposées dans le droit français avec la loi Hamon, la dernière il y a un an et demi. Ce sont des évolutions que l'on doit suivre et que l'on fait pour le compte de nos clients dans le cadre du service que l'on apporte. Oui, alors justement, quels sont les rapports que vous pouvez avoir? C'est des travaux ponctuels ou c'est un suivi permanent? Alors, c'est les deux. Voilà. C'est à la fois des chantiers, ce qu'on appelle parfois des chantiers. Donc, si on prend 5 ans de vie avec un client, on va avoir un chantier de démarrage. Et puis après, on va avoir des phases d'animation, de suivi, de conseils au fur et à mesure du temps, en fonction des besoins, voire même de la sous-traitance de certaines activités, l'envoi de newsletter par exemple. Et puis, par exemple, 2 ans plus tard, on va avoir un nouveau chantier qui sera pas forcément une refonte de site web, mais par exemple, le fait de pouvoir mettre en place des connecteurs avec la logistique de manière à simplifier les étiquetages des colis, qui sont pas une tâche très valorisante pour les opérateurs. Donc, plutôt que de ressaisir à la main, on va mettre en place des passerelles informatiques automatisées. Par exemple, tous les jours à 8h, ça va lancer toutes les étiquettes des colis à expédier pour la journée. D'accord, on en saura évidemment beaucoup plus tout à l'heure à 11h30. Ça sera à quel endroit précisément? Ça sera en salle de conférence. En salle de conférence. C'est dans le hall B5, on le rappelle. Hein. Nous sommes ici jusqu'à 18h pour l'événement Connect Sud. Merci beaucoup. Merci à vous. Christian de Montréno, voilà, de Do You Soft, merci encore. Merci à vous.
Connexion de la radio, Bayer RTS.